Il est 7h47. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député insoumis du Nord. Vous êtes membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. S'il veut le responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Hugo Bernalicis, vous irez le chercher, Emmanuel Macron, puisqu'il se présente comme seul responsable. Écoutez, nous, on demande depuis déjà plusieurs jours qu'il puisse être entendu devant notre commission d'enquête. Ça me semble essentiel au moment où, effectivement, Emmanuel Macron explique qu'il est le seul responsable. On voyait très bien dans les auditions qui se sont déroulées que beaucoup de choses convergeaient vers la présidence de la République. Et étant donné que M. Benalla était un très proche du président de la République lui-même, Bon, on voyait mal comment il pouvait se dédouaner de ses responsabilités, mais vous voyez, là, il, est, il fait une sorte de, de provocation parce qu'il dit ⁇ Je suis le seul responsable ⁇ alors même qu'au regard de la Constitution, il est ce qu'on appelle irresponsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'inquiéter. Or, on a fouillé un petit peu, on a regardé quand même, euh, même si rien ne l'oblige à venir devant notre commission d'enquête, rien ne l'en empêche non plus, donc euh, il serait temps qu'il euh, qu se prenne lui-même au mot et qu'il vienne s'expliquer dit-il devant les Français au moins devant la représentation nationale, ce sera déjà une première bonne étape. Hugo Bernalici, sommes-nous dans un Watergate à la française comme le dit Jean-Luc Mélenchon Mais écoutez euh, je, de plus gros en plus Watergate quand même. Oui oui, oui, mais de plus en plus à, à chaque fois qu'il y a une audition le sentiment que j'avais, c'est que j'avais plus de questions après l'audition qu'avant l'audition. Des nouvelles portes qui s'ouvraient, des nouvelles personnes à interroger, des nouveaux noms qui surgissent à chaque étape de cette, de cette histoire. Donc on n'est pas euh, arrivé au bout de, 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 de la situation et de l'histoire. Je vois que le président de la République. C'est une affaire et à tiroir, selon vous. Oui, c'est une affaire à tiroir. Et en plus, le président de la République et ses amis ils veulent minimiser tout ça. Mais depuis le début, nous, on dit que ça ne sert à rien de se concentrer sur M. Benalla, sur les violences euh, qu'il a commises à ce moment-là. Tout le monde est d'accord, tout le monde a vu la vidéo il sera inquiété. faut pas se déguiser en policier. Bon, ça, tout le monde est au courant. Sauf qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont euh, déjà mis en examen et tombés. Il y a trois policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation pour avoir transmis des vidéos ce 19 juillet. Des vidéos ouais, chose de surveillance Que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a sur ces vidéos de surveillance Honnêtement, de vous à moi, le 19 juillet, tout est déjà sur les réseaux sociaux. À partir du moment où le monde fait son article, où les uns les autres sortent des vidéos, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus sur ces vidéos c'est étrange. Hugo Bernalicis, vous êtes à la base fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. C'est donc un univers que vous connaissez bien. Vous croyez à une guerre des services, une guerre des polices, entre monsieur Benalak et gendarmes réservistes, entre les policiers chargés de la protection du président ou la préfecture de police de Paris je ne crois pas à une guerre des polices euh, entre la police et la gendarmerie dans cette histoire par contre. oui il y a un certain nombre de policiers et de gendarmes euh, qui ont pu être exaspérés par le comportement de m. benalla qui lui n'est euh, finalement qu'un agent privé et clairement ce qu'on voit remonter on le voit avec les auditions des syndicats de police hier au sénat euh, c'est que, euh, que effectivement peut être qu'un certain nombre de fuites et d'éléments viennent de, du côté des policiers euh, et des gendarmes et tant mieux si c'est le cas il faut les saluer mais il y a un grand perdant pour l'instant dans cette histoire. Il y a un très grand perdant, c'est le ministère de l'Intérieur et sa réputation. Moi, ça me fait mal, vraiment, en tant qu'ancien du ministère de l'Intérieur, de voir, de voir un ministre, un directeur de cabinet, euh, dire J'en apprends plus dans le journal que dans mon propre ministère. L'opinion disait hier Gérard Collomb, l'homme le moins bien informé de France. Mais attendez, on, 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 on rigole on parle du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si les gens se rendent compte, on parle du ministère où le ministre a à sa disposition la, la DGSI qui fait le renseignement intérieur sur le terrorisme, le, le renseignement territorial, ces milliers de policiers qui sont sur le terrain, enfin des services hyper compétents, des services spécialisés. J'ai du mal à le croire vraiment. Est-ce que la France insoumise dit merci à Alexandre Benalla Je m'explique, vous avez perdu sur la réforme du Code du Travail, vous avez perdu sur la réforme de la SNCF, on attend le mouvement social convergent finalement. Heureusement que Benalla a mis en lumière les, les faiblesses politiques de la majorité que vous avez su exploiter, non non, faut pas remercier Monsieur Benalla parce que et, et toute cette histoire. C'est pas un préféré, effet Attendez, j'aurais préféré vraiment et je pense tous mes tous mes camarades aussi sur le sur le terrain strictement politique, on va dire des réformes en cours, etc. Euh, je pense qu'il y avait déjà des belles choses à faire, à, à progresser. Parce que là, le problème, et je vous l'ai dit pour le ministère de l'Intérieur, mais ça s'étend plus largement à tout l'État, c'est que c'est l'ordre républicain et l'État de droit qui est en cause. Quand vous avez le président de la République qui vous explique, oui, on a fait des bêtises, oui, on a couvert, on a, oui, on aurait dû prendre des sanctions plus tôt, oui, 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 bon, je suis le responsable de tout ça, et de toute façon, je suis irresponsable au sens de la Constitution, euh, qu'il vienne me chercher, mais de toute façon, on ne peut pas aller le chercher. Donc, Il y a un à... débat entre les constitutionnalistes, hein, c'est pas tranché d'ailleurs. Oui, oui, non, mais je veux dire, le message qu'il envoie, d'impunité, de se dire je, ⁇ moi je suis vraiment au-dessus de la mêlée, y compris d'un point de vue juridique euh, ⁇ Ça renvoie un message qui est dévastateur dans la société française. Parce que si le, le premier euh, représentant de l'État, à savoir le président de la République, peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut et puis euh, de passer l'éponge euh, comme ça par une belle formule, alors quoi, c'est tout le monde fait ce qu'il veut dans ce pays, c'est ça Non, bien sûr que non. Et donc il faut remettre de l'ordre dans tout ça, de l'ordre républicain dans cet État de droit. C'est pour ça qu'il y a les commissions d'enquête et il faut cesser qu'elles soient entravées à la fois par le président, par son intervention d'hier. Parce que je vous rappelle que la séparation des pouvoirs, quand il est devant ses amis euh, députés, de La République en marche, et devant les ministres en même temps, j'avais l'impression d'être un peu au Congrès. Bon, comme j'y suis pas allé, euh, vous l'avez bon, vu à la télé. J'ai vu, j'ai vu à la télé. Bon, mais la séparation des pouvoirs, c'est à géométrie variable visiblement euh, au sein de la majorité. Donc il serait temps viennent devant cette commission d'enquête. La droite va déposer une motion de censure contre le gouvernement pour que celui-ci s'explique. Vous allez voter cette motion de censure bah a priori, euh, je vois pas pourquoi on la, on ne la voterait pas. Hein. De des informations dont je dispose, les, les députés des Républicains en plus euh, feraient une motion de censure sans revenir sur les, ce qui fait divergence entre nous tous. Ils ne vont pas faire un programme politique, économique, social. C'est ça la convergence des luttes. Bah, Christian écoutez... Jacob, Jean-Luc Mélenchon ah, oui. et leurs troupes main dans la main. À, à partir du moment où il y a une situation qui est grave, une situation exceptionnelle, oui, on doit dépasser le clivage politique pour être ce que nous devons être, c'est-à-dire des députés, le pouvoir législatif qui vient contrôler l'exécutif. C'est là où on sort grandi de ce genre de crise. Et on voit que depuis le début de cette affaire, les députés de la République en marche n'arrivent pas à couper le cordon ombilical qui les relie à la présidence de la République et au gouvernement. Et, et ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la séparation des pouvoirs. Je pense que Montesquieu, s'il était là, euh, euh, engueulerait tout le monde. La réforme constitutionnelle, les débats reprennent à la rentrée. Vous persisterez dans votre opposition massive alors qu'il y a des réformes qui vont dans votre sens. Par exemple, la suppression de la Cour de justice de la République c'était des mesures que vous défendiez pendant la campagne électorale Oui, enfin, c'est toujours pareil. Dans une réforme, vous avez peut-être une ou deux où vous êtes d'accord, mais s'il y en a euh, 14 ou 15 avec lesquelles vous êtes en désaccord, à la fin, c'est oui-non, hein, quand même. Hein. Donc le texte, Donc, Donc, pour ce nous, sera ce, sera, ce sera non. Et surtout, euh, j'espère bien qu'on sera en capacité d'organiser un référendum sur ce texte euh, à la rentrée. Peut-être que c'est le moyen euh, démocratique de purger la situation et de faire en sorte euh, qu'on soit enfin dans une vraie république démocratique et non plus avec un monarque euh, qui qui, qui se retranche dans son palais en expliquant qu'il vienne me chercher. Merci beaucoup Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord. Bonne journée